Mesdames, Messieurs, en cette année placée sous le signe d'une pandémie mondiale, guerre que nous combattons à coups de distanciation, de masques et de gel, nous voici ce 11 novembre devant un monument, symbole lui aussi d'une guerre, celle de 14-18, qui aura provoqué la mort de plus de 10 millions de soldats, des souffrances indicibles pour les innombrables anciens combattants handicapés, mutilés ou gazés, des destructions massives dans les zones de combat, des dettes immenses et l'affaiblissement durable de l'économie des principaux pays européens. Ce monument fait partie de notre paysage, mais nous n'y faisons plus attention. Il trône fièrement, souvent près d'une église ou dans un cimetière, seul, fleuri une fois par an. Présent à 4 ce matin, mesures sanitaires oblige, nous serons bien plus nombreux derrière nos écrans à nous unir à ce monument, à être les pierres qui construisent une muraille, rempart humain et extrêmement solide contre toute forme d'exclusion. Exclusion de l'autre parce qu'il est différent. Il a les yeux bridés, il est chrétien, il est transsexuel, il est pauvre. À l'heure où le respect de la liberté de l'autre et de la démocratie sont semblables à des funambules estropiés et fiévreux, nous devons continuer à nous battre où que nous soyons, quoi que nous fassions, quelle que soit notre religion et notre statut social. Les dernières élections aux États-Unis semblent ouvrir une voie plus favorable aux valeurs que nous ont laissées nos ancêtres, ceux-là même dont les noms sont gravés sur cet édifice. À l'heure où je prononce ces quelques mots, des hommes et des femmes périssent sous les armes à travers le monde pour cette liberté. L'hommage rendu aujourd'hui s'adresse aussi à eux. Les combats pour la paix et la fraternité n'ont pas de trêve. C'est sans cesse qu'il nous faut participer à la construction et à la sauvegarde de la paix et de la solidarité. Je remercie chacun et chacune d'entre vous de vous être associés à ce devoir de mémoire dédié aux morts de toutes les guerres et de toutes les nationalités. Et à cet hommage actuel envers ceux et celles qui, aujourd'hui même, se battent pour sauver des vies dans nos hôpitaux. Que la cérémonie de ce jour soit aussi le gage de notre engagement personnel à défendre ces valeurs chaque jour face à l'intolérance, à la violence et à la haine. C'est en tout cas l'engagement de notre commune et de tous ses élus qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Vive la Belgique, vive le roi.